Urban FM devient Matin Libre Radio pour vous offrir le meilleur. C'est ce samedi 7 septembre 2019 que les membres du groupe WhatsApp dénommé Force de la Sagesse ont choisi de se rencontrer à Moss Club à la plage de Togbin. Ces retrouvailles ont permis à ces hommes et femmes de mieux se connaître au-delà de leur téléphone portable. Ça fait déjà plus de 3 ans que le groupe existe et on n'a jamais eu le temps de se rencontrer, surtout par rapport à la position géographique des membres. Nous sommes un peu partout sur le plan national, d'où c'est un peu difficile de rassembler les gens. Donc c'est dans cet optique qu'on s'est dit, bon, déjà plus de 3 ans dans un forum et ne pas organiser une rencontre du fait de consolider plus les liens et de redéfinir le règlement surtout pour pouvoir plus nous unir par rapport aux liens. Plusieurs objectifs sous-tendent la création de ce forum. La mission fondamentale du groupe Force de la Sagesse, c'est de dynamiser le développement personnel de chaque adhérent. Donc on a 3 objectifs. Nous sommes assignés 3 objectifs, contribuer au renforcement des capacités, développer les performances des membres du forum et renforcer les relations entre les membres. Pour la circonstance, de copieux repas avec différentes boissons ont été ingurgités. Toute chose qui a ravivé la flamme d'amitié et de solidarité qui existait déjà entre les membres. Que le quorum n'est pas atteint, mais quand même ceux qui sont à Cotonou et aux alentours, il y a même des gens qui ont quitté le nord pour venir. Donc je ne peux pas dire que l'objectif n'est pas atteint. D'abord, même ça, c'est un signal fort. D'autant plus que ceux qui sont venus, ils iront rendre compte aux autres. Plusieurs jeux et la distinction des 3 membres actifs du forum ont mis un thème à la cérémonie. Donc elle va l'ouvrir devant tout le monde et vous allez voir. Urban FM devient Matin Libre Radio pour vous offrir le meilleur.